Alors, deux fans espagnols ont découvert un peu bah, les joies du nouveau Bordeaux, hein, de la Nouvelle-France et de ses nouveaux habitants. Hein, vous allez voir, il y a une nouvelle coutume du coup. Donc, c'est parti les gars, on va voir ça. On va contar la mala experiencia que hemos tenido en Burdeos, en Francia, que os recomiendo que, bueno, si sois mujeres, No vengáis solas. bueno, y hombres, puede ser que también, me da igual, mujeres sobre todo, no vengáis, y menos solas. Nos han perseguido 84.500 veces. Una de las últimas ya había un montón de hombres ya siguiéndonos, y menos mal que había un grupo eran franceses, ¿no? De aquí. No hemos tenido que meter en un No hemos bar. tenido que meter en un bar, al menos bueno, que eran árabes. La mayoría que nos han perseguido, hay que decirlo todo, alrededor de la mesa, y han tenido que decirle los muchachos y las muchachas que por favor se fueran y que nos dejaran en paz. O sea, de verdad, no, no. Non, mais c'est une nouvelle coutume, les gars. C'est nous, on n'a pas compris, mais c'est un enrichissement culturel. Bon, on n'a juste pas compris, mais vraiment, faut le percevoir comme ça, quoi. Con un pasamontañas, con una moto, No, mira. yo no sé si quería robarnos, si quería Mira que hemos arrastrar. viajado a sitio, ¿vale? Jamás no hemos sentido tan inseguras como aquí. Son las 10 de la noche y nos vamos al hotel. No, no No podemos queremos ni estar. salir a bailar. Evidentemente, en metro menos, no queremos ir en nada. Queremos irnos en un Uber seguro para ir al hotel. Alors bon, moi j'ai fait mes études à Bordeaux à titre personnel et bon, il n'y a pas de métro, donc je ne sais pas de quoi elle parle. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que Bordeaux c'est devenu un shithole, c'est pas possible. Et ce qui est très bizarre avec cette ville, c'est que, je veux dire, les espèces de zombies là qui traînent dans les rues, ça correspond tellement pas au style architectural de la ville. Et dans la ville, il y a beaucoup de zombies comme ça qui traînent, des zombies, hein. Défendu par la gauche, hein, qui apparemment défend le droit des femmes, mais les femmes n'ont jamais été autant d'insécurité qu'aujourd'hui. Allez, abonnez-vous, vos plus grands likes. Ciao.